Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je me présente, je m'appelle non pas Henri mais Milouki, ou enfin quand je dis je m'appelle Milouki, il va de soi que c'est un pseudonyme, mes parents ne sont pas demeurés à ce point-là, en tout cas je crois. Voilà, j'ai décidé de créer ma chaîne vidéo parce que je me suis rendu compte qu'à l'heure actuelle, la grande tendance quand on est une gonzesse et qu'on est un petit peu dans tout ce qui est mode, etc., c'est d'avoir sa propre chaîne YouTube. Et bon, comme après tout, je suis une gonzesse, ou en tout cas jusqu'à preuve du contraire, je crois que les seuls pénis que j'ai sont en plastique et que je travaille dans la mode, ben, je me suis dit que je remplissais les critères de sélection pour lancer moi aussi ma chaîne de vidéo. La deuxième raison qui me pousse dans la vidéo, c'est qu'il y a 2 ans, j'avais réalisé une formation en motion design et j'ai toujours aimé ce qui était dessin, graphisme, photographie, etc. Je me suis rendu compte que faire de la vidéo, ça réunissait un petit peu toutes mes passions en un seul média en fait, donc j'ai adoré ça. Du coup, j'ai choisi de créer un vlog parce qu'en plus de toutes ces passions, en tant que fille, j'ai toujours été passionnée par le fait de beaucoup parler pour ne rien dire. Donc voilà, ça fait un gros melting pot de toutes mes passions réunies en un seul point et je trouve ça vachement sympa. Et puis là, j'ai décidé de pousser le concept un petit peu plus loin, de réfléchir. Je me suis dit, mais enfin Milouki, on est quand même en 2017. À l'heure actuelle, je veux dire, il n'y a plus personne qui se fait chier à avoir un vrai job. Travailler pour un patron, etc., c'est tellement 2012, vous voyez ce que je veux dire? À l'heure actuelle, la plupart des jeunes suivent ce qu'on leur a toujours répété, à savoir écoute tes rêves, écoute ton cœur, n'hésite pas à tout plaquer, lance-toi comme indépendant, crée tes propres projets, etc., etc. Donc j'ai décidé de suivre ces bonnes paroles et de donner ma démission. Voilà, je veux dire, de toute façon, à l'heure actuelle, avoir un CDI temps plein au Luxembourg, je pense que ça ne fait rêver à peu près personne, on est bien d'accord. Donc voilà, lundi je donnerai ma démission à mon patron et j'ai décidé de devenir youtubeuse. Et donc de me lancer comme indépendante vraiment à temps plein sur cette chaîne YouTube pour vous proposer chaque semaine du contenu original et exclusif. Donc sur cette chaîne vous trouverez un petit peu des vidéos portant sur tous les sujets qui me passionnent. Donc à savoir le Japon, les voyages, les jeux vidéo, j'adore les Pokémon comme vous pouvez le voir derrière moi, les modifications corporelles, la mode, etc. etc. Bref, tout ce qui me plaît et j'aime beaucoup de choses donc je pense que ce sera assez varié en termes de contenu. Et bien évidemment je vous proposerai aussi des petites astuces, des petits tutoriaux sur comment améliorer votre quotidien, etc. etc. Donc j'espère que ça vous plaira. Je profite de cette première vidéo pour dire aussi que si vous êtes une marque et que vous voulez sponsoriser des jeunes talents surtout, n'hésitez pas à m'envoyer des échantillons gratuits de vos produits. Je suis une fille, je suis vénale, j'adore tout ce qui est gratuit. Sauf peut-être les excréments, j'ai l'odorat sensible, donc si vous pouviez éviter de m'envoyer des excréments par la poste, ce serait assez sympa. Mais donc voilà, si vous êtes une marque, un jeune créateur, peu importe, que vous voulez faire la promotion de vos produits, surtout n'hésitez pas, je serais ravie de dire au monde entier à quel point c'est cool et merveilleux, etc., etc. Notamment si vous faites du maquillage, parce que comme vous pouvez le voir, je n'ai jamais vraiment eu les moyens d'investir dans du maquillage de marque. Et du coup, mon visage est un peu une catastrophe, donc ce serait super sympa d'avoir pitié. Et j'adorerais avoir l'opportunité d'enfin devenir une vraie fille accomplie qui sait se maquiller et qui sait faire des tutos make-up, etc., etc. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à me contacter, je serais ravie de tester vos produits. Et une dernière chose, je cherche, forcément, je cherche un agent. Pas un agent du FBI, bien évidemment, sauf si vous êtes l'agent Mulder, là je ne dis pas non, toi-même tu sais. Mais bien et bien un agent artistique pour me représenter en tant que future youtubeuse riche et célèbre. Si vous êtes chercheur de tête et de talent, je suis sûre que vous aurez le flair pour repérer la grande artiste qui sommeille en moi et n'hésitez surtout pas à me contacter, je serais ravie que vous me représentiez. Et donc voilà, c'est déjà la fin de cette première vidéo. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous échangerai quelques petits trucs et astuces pour votre quotidien. Et je vous dis à très très bientôt. Bisous licorne et paillettes. Bonjour à tous, c'est encore Milouki. En me renseignant sur le métier de youtubeur, je me suis rendu compte qu'en fait c'était pas si facile pour devenir riche et célèbre. En tout cas pas autant que je ne le pensais. Du coup je suis revenue sur ma décision de donner ma démission et je voulais vous demander s'il n'y avait pas quelqu'un parmi vous d'assez sympa que pour contacter mon patron, lui expliquer gentiment les faits et lui demander de me licencier de sorte que je puisse toucher mes allocations de chômage. Parce que, comme vous le savez, je suis une adulte, j'ai un loyer, des charges à payer, etc., etc. Et du coup, sans argent, ça devient un petit peu plus compliqué. Donc voilà, bien évidemment, rassurez-vous, je ne suis pas comme tous ces
parasites qui profitent du système pour toucher de l'argent en n'en foutant pas une, l'argent de mes allocations sera bien évidemment utilisé à bon escient pour m'acheter du maquillage, des vêtements, des bijoux, du matériel, etc. en vue de réaliser mes prochaines vidéos et ce jusqu'à ce qu'elles me rapportent suffisamment d'argent que pour que je puisse me passer des allocations de chômage. Donc voilà, je remercie d'avance la personne qui voudra bien se charger de cette lourde tâche. Moi je suis un petit peu trop timide pour demander, mais je suis sûre qu'il sera d'accord et qu'il n'y aura aucun problème. Je vous dis à très bientôt et je vous fais plein de bisous. Salut !